quelque chose dont j'avais conscience auparavant, mais quand j'ai lu La domination masculine de Bourdieu, il y avait un passage assez court où il explicitait ça et de manière tellement scientifique, posée, logique, que je me suis dit, mais oui, c'est exactement ça. Je vais le lire rapidement. Alors, on constate ainsi que les femmes françaises déclarent à une très large majorité qu'elles souhaitent avoir un conjoint plus âgé. Et aussi, de manière tout à fait cohérente, plus grand qu'elles, les deux tiers d'entre elles allant jusqu'à refuser explicitement un homme moins grand. Que signifie ce refus de voir disparaître les signes ordinaires de la hiérarchie sexuelle? Accepter une inversion des apparences, répond Michel Bozon, c'est donner à penser que la femme qui domine, ce qui paradoxalement, que c'est la femme qui domine, ce qui paradoxalement l'abaisse socialement. Elle se sent diminuée avec un homme diminué. Alors, déjà, là, on se dit beaucoup de choses. Voilà, il y a les personnes sceptiques qui vont dire « Mais attends, moi, j'aime vraiment les hommes plus grands et j'aime vraiment les hommes plus âgés. Ça n'a aucun rapport, c'est mes goûts à moi. » Alors, un petit background sur moi. J'ai fait une vidéo semblable un petit peu en anglais il y a très longtemps, mais qui était moins fournie du coup parce que c'était juste ma réflexion personnelle qui était un peu balbutiante. J'ai toujours aimé les hommes beaucoup plus âgés que moi. Mais quand je vous dis beaucoup plus âgés, ça veut dire beaucoup plus âgés. Pour moi, ça commence à être plus âgé à partir de 20 ans de différence. Donc ça vous donne une petite idée. J'ai jamais été intéressée par l'argent. Par contre, j'ai toujours été intéressée par une sorte de pouvoir, de grand charisme et de domination. Alors les personnes très scientifiques, enfin pseudo-scientifiques, vont vous sortir l'argument du mal alpha et que c'est normal et ceci et cela. Bon bref, moi ça j'y crois pas du tout. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours un peu perturbée. Je me suis toujours demandé, mais c'est étrange, je sens bien cette attirance. Et en y réfléchissant un peu plus, je me suis rendu compte que c'était pas juste une attirance pour un homme plus vieux, c'était aussi une attirance pour un homme qui m'était supérieur. C'est-à-dire que j'avais vraiment envie de trouver quelqu'un qui allait me guider dans la relation, mais dans la vie en général, quelqu'un à qui je serais inférieure. Et j'attendais en fait, ça c'est le mythe du prince charmant dans un sens, hein, mais j'attendais quelqu'un qui allait me réaliser, quelqu'un qui allait m'ouvrir des portes, m'ouvrir des mondes. Et j'avais jamais osé imaginer en fait pouvoir être en fait peut-être la personne qui allait faire un déclic chez quelqu'un, peut-être la personne qui allait aider quelqu'un à démarrer quelque chose. Parce que souvent dans les relations, même si bien évidemment il faut une certaine forme d'égalité, c'est vrai qu'il y a une aide mutuelle, mais c'est jamais 50-50. Et j'attendais en fait, vous savez, cette personne qui vous pousse et qui vous fait réaliser vos projets et qui a déjà connu presque tout ce que vous allez connaître dans vos vies parce que vous êtes plus jeune. Et puis un jour, je me suis rendu compte que ça collait pas spécialement à ma personnalité en réalité, et que peut-être que ma personnalité c'était plutôt le contraire. Et c'est là que j'ai commencé un petit peu à me libérer. Puis j'ai commencé à regarder les couples de mes amis autour de moi et je me suis vraiment rendu compte très rapidement qu'il y avait effectivement exactement ce que décrit Bourdieu, c'est-à-dire qu'aucune de mes amies ne sort avec ou n'est sortie avec un homme plus jeune, un homme plus petit, un homme qu'elle n'aurait pas trouvé sociétalement beau, un homme qui aurait été dans une position inférieure par exemple au niveau milieu social, peut-être une personne qui ne parlerait pas français et qui donc, vous voyez, c'est pas qu'on est inférieur quand on parle pas français, mais dans la société française serait donc en position un peu d'exclus ou d'étranger. Et en fait, toutes mes amies ont... Alors l'argent, non, pas pour toutes mes amies. Ça, c'est un point à nuancer, mais bon, ça se retrouve chez certaines quand même. Toutes mes amies ont des copains qui, au niveau de la société, sont de bons partis, dans un sens. Correspondent. Et alors quand on parle de bon parti, maintenant il faut comprendre que c'est pas de l'argent, hein. C'est de l'apparence, de la performance de genre, etc. Et j'ai remarqué que très souvent, elles pouvaient par exemple penser « Oh, que cette personne était super intéressante, super drôle, super gentille, mais ah bah elle était trop petite. » Ou « Ah, elle était pas assez masculine. » Ou « Ah, il manquait ce côté-là qui faisait que c'était un véritable homme reconnu, accepté et qui en fait était synonyme totalement inconsciemment, je pense, mais de fierté du coup. Parce que c'est vrai que lorsque une femme est dans une relation avec un homme qui ne remplit pas à 100% le rôle d'homme que la société attend, cette femme, bizarrement, est rabaissée. Et lorsqu'on peut penser à une femme qui, par exemple, gagne plus que son mari, en réalité, cette femme peut éprouver de la honte d'être avec un homme qui gagne moins. Ce qui est totalement absurde. Déjà, bon, on ne devrait pas éprouver ni honte ni fierté au niveau de l'argent, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et donc Bourdieu continue. Il ne suffit donc pas de remarquer que les femmes s'accordent en général avec les hommes qui, de leur côté, préfèrent les femmes plus jeunes. Tiens, ça c'est aussi bizarre.
pour accepter les signes extérieurs d'une position dominée. Elles prennent en compte dans la représentation qu'elles se font de leur relation avec l'homme auquel leur identité sociale est ou sera rattachée, la représentation que l'ensemble des hommes et des femmes seront inévitablement conduits à se faire de lui en lui appliquant les schèmes de perception et d'appréciation universellement partagés dans le groupe considéré. Ça, c'est ce que je viens de vous expliquer plus ou moins. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsqu'on dit mon type d'homme, c'est ceci, c'est cela, on se rend compte qu'il y a des choses qui reviennent tout le temps. Par exemple, la taille, c'est quand même un détail assez trivial en réalité, la taille. Mais la taille, c'est quand même quelque chose qui compte énormément pour beaucoup de gens. Alors qu'en réalité, qu'est-ce que c'est ça? C'est ridicule. Pourquoi est-ce qu'une femme plus grande qu'un homme, ce serait choquant? Pourquoi est-ce qu'un homme plus petit ou de la même taille ou pas spécialement grand? Parce qu'en plus, c'est même pas la même taille. Hein. C'est qu'on veut, en général, que l'homme soit beaucoup plus grand. Eh bien, parce que ce sera mal perçu, ce sera assez bizarre, ce sera peut-être risible, un homme plus petit, ou un homme plus efféminé, ou un homme plus fin qu'une... Et donc, si vous êtes avec un homme beaucoup plus jeune, qui est encore en train de faire ses études, ou si vous êtes avec un homme qui gagne moins, ou si vous êtes avec un homme qui est plus petit, ou si vous êtes avec un homme qui est très timide, tout ça, c'est des choses, en fait, qui font que le couple n'est pas idéal, le couple ne correspond pas aux attentes de la société. Et donc... En réalité, quand on regarde les types d'hommes des femmes, on peut se demander est-ce que c'est vraiment votre type d'homme. Et du coup, enfin, je peux vraiment en parler d'expérience, du coup. Moi qui n'ai été attirée que par les hommes beaucoup plus âgés, c'est vrai que depuis que j'ai pris conscience de ça, je me sens beaucoup moins attirée par les hommes plus âgés. Je dis pas que ça m'arrive plus, je pense qu'il y a physiquement des choses qui me plaisent quand même, mais ça m'arrive beaucoup moins, et il y a une forme de... c'est devenu quelque chose de beaucoup plus mesuré et modéré. Et il m'est également possible, en fait, de me projeter et d'imaginer avec des hommes plus jeunes. La taille, maintenant, pour moi, n'a vraiment plus beaucoup d'importance, très honnêtement, et j'en suis venue vraiment à me détacher, en fait, de cette image... où l'homme doit avoir réussi, où l'homme doit être déjà accompli en fait pour pouvoir entrer dans une relation avec lui. Alors non seulement c'est extrêmement sexiste pour la femme, parce qu'en fait ça veut dire que, comme je l'ai dit, sa valeur ne dépend que de la valeur de l'homme avec qui elle est, ça veut dire qu'elle n'a pas le droit d'être réalisée seule, et ça veut dire que même si elle arrive à atteindre des objectifs et des sommets entre guillemets, bah ça aura toujours moins de valeur, parce que en fait ce sera plus que l'homme avec qui elle est potentiellement, et donc et bah ça invalide tout. Mais c'est également extrêmement comment dire en français, damaging. C'est également très nocif envers les hommes, étant donné que ça les met dans une position où ils doivent assurer en permanence, ils doivent performer en permanence, et ils n'ont pas le droit d'être comme ils sont, tout simplement. Donc voilà, c'était... Alors si ça vous intéresse, je pourrais en reparler peut-être plus, de manière plus approfondie, mais je pense que c'était déjà quand même assez clair, et puis vraiment avec les mots de Bourdieu, ça passe encore mieux. Donc je vous invite vraiment, en fait, peut-être, voilà... S'il devait y avoir une petite morale à la fin de cette vidéo, c'est à vraiment vous détacher de cette idée de mon type, de ce que j'aime pas, et vraiment questionner en fait ce qui vous attire et ce qui au contraire vous rebute totalement, parce qu'en général on se rend compte que c'est pas vraiment nous, c'est plutôt des choses et des valeurs et des notions qui sont en fait totalement misogynes, sexistes et puis extrêmement patriarcales et qui nuisent à tout le monde en réalité. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de ça, j'espère que ça vous aura intéressé, et je vous dis à la prochaine. Bye !